Rencontrer les hommes de Bordeaux. Les hommes de Bordeaux. Les hommes j'ai de pas Bordeaux. Tout, j'ai pas tout, les trucs, c'est pas grave, on va faire ça. Donc, petite vidéo de bonne année. Bonne année. Donc, Spanish Joe, le mot petit chorizo. Spanish Joe, vous connaissez. Ah oui, tu as bien vu ça. C'est un petit surnom. My compadres del sol, del Rio, de la Riga. De Janeiro. De Rio de Janeiro. Voilà, futur transsexuel, tout ça, voilà. Je voulais faire la surprise à Freshmeet. Putain, Freshmeet, s'il nous écoute. C'est pour toi. Payé. Bah, on sait que. Bref, donc meilleurs vœux à tous. Hein. Donc je voulais. Moi, ça me tenait à cœur de faire ça avec mes deux potes. On a passé des bons petits moments cette année à faire des petites vidéos. Cette année, il va y avoir des petites vidéos un peu folles. Ouais. Un peu folie, quoi. Ouais. Ou pas trop, quoi. Pourquoi faire? Je sais pas quoi faire. T'as vu, donc t'as rien. D'accord. Non, c'est pas ça, c'est sale. Cette année, des projets de vidéos sympas. On va faire. Je pense qu'il y a une vidéo sur les nœuds. Alors, non, messieurs. Voilà. Non, les nœuds. Pas ceux-là. Les vrais nœuds. Les nœuds, voilà, les nœuds vite. Comme les lacets. Nœuds de chaise. Les nœuds à la con, hein. On va vous apprendre à faire vos lacets. On va vous apprendre à faire vos lacets, ouais, messieurs. Non, non. Donc, il va y avoir une petite vidéo sur les nœuds. Je pense qu'on va faire une petite vidéo aussi avec Seb. Je sais pas si José veut y participer, mais il va y avoir une vidéo pâté. Non, tu veux pas. C'est trop hétéro pour toi, ça. Donc, pas de José dans la vidéo pâté. C'est dommage. On est un homme, en fait. Deux hommes et du pâté, c'est ça. Des hommes et du pâté. Ça serait un peu marrant. On va essayer. On va essayer de faire ça un peu drôle. On va y mettre un peu de cœur là-dedans. Un peu de cul, si tu veux. En fait, moi je réalise, vous êtes vraiment de gros pédés. Attends, j'ai rien dit. Non. Mais qu'est-ce qui définit les... Non mais on peut. Est-ce qu'on peut teaser un peu le titre de. Est-ce qu'on va essayer, enfin voilà, on va faire une vidéo sur le pâté. Après si ça marche bien, ça devrait être la première. D'une longue série, oui. D'une longue ou pas, enfin plus ou moins longue série, c'est-à-dire qu'on risque de faire plusieurs vidéos sur la cuisine. Sur la cuisine. Sur la cuisine en rapport avec la survivalisme. Mais je dis bien survivalisme, mais je dis pas bushcraft. Voilà, bushcraft. Les rageux là, bushcraft. Bushcraft, voilà, pas bushcraft. Voilà, donc c'est vraiment la cuisine survivaliste, c'est-à-dire qu'on va faire des conserves, voilà, des bons manger. Voilà, des trucs, des conserves. On veut garder 15-20 ans facile. Voilà. Sans chenille. Sans chenille, sans pantalon. J'allais la sortir. Bon, elle est du bas rassuré. Il m'a retiré sa longue. C'est trop pour moi. Tu t'en vas? Au revoir. Au revoir. Allez, on vient, ce petit show. Il y a les mêmes à la maison. Ah, touche pas la caméra. Non, c'est bien, il est en train de retourner. Putain, je me suis vu à l'envers et devenir. Ce petit show, il t'avait éjaculé. Comme si c'est sale. Donc des conserves, faire des conserves de pâté, des
stérilisé, etc. Est-ce qu'on utilise un peu le comment on va appeler l'émission? On va s'appeler la cuisine des survivalistes. Voilà. En référence à la cuisine des mousquetaires. Et voilà. De Maïté, mais ce sera la cuisine des survivalistes. Voilà. Donc moi je suis du Sud-Ouest, donc je pourrais bien que. Voilà, on aime bien Maïté. Maïté, si un jour tu nous regardes, on t'embrasse. Voilà. Du coup c'est le ninja. Le ninja du FBI. Hey. Oh, regarde là-bas. Oh. Oh. Ah mais tu es discret dans le petit chat. Il vient de poser quelques lattes du fauteuil. Non mais il reste deux. Ça va, c'est bon. Il reste deux, ça tiendra. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a des vidéos donc avec notre ami José qui est là, donc vidéo plus technique avec du sexe dedans, non, mon ami. Non, par contre, je vais peut-être parler un peu de matos. Ah. Ah. Tester du matériel. Ce qui marche, ce qui marche pas, etc. Voilà. Des combats comme vous avez fait avec le Fire et le Big, un peu des comparaisons. Ça va plus à tout le monde. Ça va plus, mais justement parce que ça plaît pas, je pense qu'il faut le refaire. Parce que moi je suis un enculé, moi je suis un merdeux. Et puis je trouve ça, moi personnellement, je trouve ça intéressant parce que ça permet aussi de voir deux écoles. Ah, moi je veux que. Ah, Fire Steel. Non, mais c'est très bien, faut en avoir Fire Steel, je veux dire, Fire Steel pour un bushcrafter, c'est bien. Pour un survivaliste. Ouais, enfin, un briquet tempête, c'est bien aussi. Hein. Oui, bien. Oui, sans citer de marque, c'est. Zippo voilà. Zippo, pardon. Alors, je sais pas, parce que YouTube maintenant, ils sont frileux au niveau des marques. Ça permet de voir deux écoles quoi, donc je sais pas si je pense que ce serait le cas. Perso j'ai aimé. On va voir, toi tu veux tester Matos? Non, on va faire du retour, vu que le matos chez moi ça arrive, ça tourne, ça part, etc. C'est vrai. Tu testes pas mal de matos. Ce qui est con, c'est que quand on est parti et qu'on a fait le trek, on s'est rendu compte que niveau perméabilité, deux vestes imperméables, c'est pas du tout les mêmes propriétés. Non, c'est sûr. Et quand on cherche un petit peu, c'est parfois compliqué, il y a plein de trucs, plein de membranes, etc. Donc peut-être que dégrossir un peu tout ça pour que les gens sachent un petit peu. Donc quoi, la technique, retour, là c'est avec Spanish Joe, toujours dans la bonne humeur et l'allégresse, évidemment, il y aura. Les trucs homosexuels, c'est Cyril. C'est bon, évidemment. Voilà. C'est normal, enfoiré de blanc. Bref, moi je suis là, je suis une pièce rapportée. Quoi. T'es pas une pièce rapportée. Toi, t'es un petit peu mon acolyte de bouffe, tu vois. Ouais. D'ailleurs, bah ouais. Je vous conseille d'aller voir la chaîne de ce monsieur qui s'appelle Asian Food Test. On va mettre l'adresse ici immédiatement. Je sais pas le faire, c'est lui qui va le faire. Voilà. Mais, et donc, attends. Oh. Faut bien faire marcher la famille. La famille. Merde, quand même. Bref, on s'est engueulé là en France. putain, ça y est, je vais le mettre. Ah. Oh merde, elle est partie. C'est pas moi. Oh, elle est partie, c'est putain. Pas moi. Oh merde. C'est pas moi, madame Manuel. En fait. Oh merde. C'est pas moi, Manuel. Manuel, c'est pas moi. Manuel, c'est pas Louis. C'est pas lui. C'est lui, c'est lui. Lui, tu peux pas le condamner, c'est pas Nijo. Elle est chez toi là-bas. Là. Bon, enfin bref. Ils sont complètement fous. Confus. J'ai hâte là. Au revoir. c'est pas grave. C'est pas possible. Non. Tu n'es qu'à moi, mon toutou. Oui. Putain, non, c'est hyper pénible. Réflexe. Oh putain, et hop là. Tiens, hop, une pomme. Pomme. Petite pomme. On fera peut-être des compotes, tiens, mon dieu. Oh, encore un peu, le caméscope, il prenait une pomme dans la gueule. Ah, mais c'était fait exprès. On fera peut-être des compotes aussi. On va faire des compotes. On va montrer comment on fait des confitures. Mmh. On va montrer comment on fait du pâté. On va montrer comment on fait du coq au vin. On va montrer comment on fait du sauté de veau, de la blanquette. Du sauté de pute. On va montrer comment on peut cuisiner maison, cuisiner survivaliste avec des budgets assez restreints. Et on va y arriver, messieurs dames. Oui, messieurs dames, on va y arriver. Pierre Belmar a vendu son truc là, c'est bon. c'est bon. De quoi? C'est bien vendu. Bah ouais, je sais pas. Achète. De toute façon, t'as touché, t'achètes. Voilà. Moi j'ai touché José partout. Et il l'a acheté maintenant. Il est à moi. Mais non, mais donc plein de projets. Plein de petites vidéos. On va peut-être faire des petites vidéos. Mais ça n'a rien à voir avec le survivalisme. Ouais, mais on vous emmerde. Mais on va faire des trucs de temps en temps parce qu'on a envie de s'éclater aussi, parce que c'est
Mr. Boubard, c'est le survivalisme sans prise de tête. Sans prise de tête. Donc on se prend pas la tête, on se touche la quéquette. Donc en fait, non, on va faire des petites vidéos comme ça, des petits trucs. On avait un petit projet. Voilà, on va faire là, on va vous regarder. Je pense que voilà, on va faire des petits, des tout petits sketchs qui seront en rapport avec le survivalisme. Ouais, et je pense que ça peut être intéressant de dédramatiser un peu ce sujet qui, je pense, chez certaines personnes, frise l'imbécilité tellement que c'est sérieux. Bref, on va dédramatiser tout ça. Hein, on peut se préparer et rester dans l'humour aussi, quand même. Hein, on vient pas non plus. Non, mais voilà. Merde. Donc, je sais pas. Voilà. Je sais pas. Ah putain, on accueille le cousin de Spanish Joe. C'est American Joe. American Joe. Voilà. Voilà. Qui vient tout droit de. Du Utah. De l'Utah. À côté de là-bas, t'as vu. Le West Coast. Enfin, l'Utah, c'est plus au milieu, mais West Coast quand même. T'as vu comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Tranquille. Cousin tranquille. Voilà. T'as vu ce mec, putain. Non, mais là, des dédoublements. Non, mais on l'aime pas, c'est ça. Ils sont plusieurs. Ils souffrent du cerveau. Mais ça va. Donc voilà, donc on va arrêter un petit peu cette vidéo ici parce que ça devient du n'importe quoi. Oh putain, il m'a fait la technique de je me tire et je te prends mine de rien. Dans 3 secondes, il va me croquer. Donc. Il veut me picheter. Ah. Bref, oh mon dieu, Seigneur Dieu. Ah non, j'ai une bizarre. Du lus ton. Du lus, je suis tout niqué. Bref, donc ce qui va se passer. Mais non, cherche pas dans mon cul. Dis donc, pour ça ce qu'on va. Excuse-moi, je cherchais ton encul. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ici avant que ça devienne n'importe quoi. On vous souhaite encore une excellente année, messieurs dames. Bonne année. Et bonne année préparée. Plein de réussite, pouce en l'air pour tout le monde. Voilà. Et autant pouce en l'air. Ah merde, les couilles. Voilà, bonne année. Pouce en l'air, bonne année, bonne santé. Achetez. Ah oui, Bubar Shop. Achetez Bubar Shop. Parce que Bubar Shop vous souhaite une bonne année. Achetez. Il y a des calendriers sexy, les gars. Des calendriers. Il y en a partout dans la maison. Il y a des partout dans la maison. Il y a le calendrier. Comme ça, la plus cravée dans ma tête. Moi, je suis prêt. Dans mon pub, il y a le calendrier avec des photos sexy pour être prêt. Voilà. Parce qu'on a parlé de survivalisme et de branlette en cas d'effondrement. Il faut des photos. Et dans le calendrier du barshop, il y a ce qu'il faut. Voilà. Mais puis c'est tout. Ah, pas non plus. Oh. Achète. Sans déconner. Si vous êtes dans le barshop, achetez, ça fera plaisir. Non mais s'il vous plaît, achetez les calendriers, s'il vous plaît. Là, on ne vend pas. S'il vous plaît. Ça vous plaît. Achetez les calendriers. On va arrêter avant de faire les flics. Bon, écoutez, on vous souhaite une bonne journée, soirée, anniversaire. Seb, ça fait n'importe quoi. Bupar est dans la place. Allez, les gars, bientôt. Poche. Pop. T'as vu? Aïe. Putain, là, vas-y, bouge ton poule là. Ah ouais! C'est sale! Allez! Mon dieu, c'est sale! Ciao les gens!